Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 74 d'Objectif 90, épisode 74 d'Objectif 90. Je le dis en version belge parce que je sais que ça perturbe notre ami PriceX3 et rien que ça, c'est jouissif. Allez, j'ai un petit peu augmenté d'XP, je suis juste allé récolter quelques plantes. Comme ça, je fais pas de quête mais ça grappille quelques bulles d'expérience. Et là, je continue directement. Donc nous sommes toujours au bastion de la bravoure. Ah, revoilà les bateaux. Et quand je vois les bateaux, j'ai toujours envie de faire Titanic. Ouh. Every night in my dreams, I see you. Naninu. Bon, on va arrêter le massacre ici. Parce que bon, Foufflet qui chante, c'est pas trop ça pour être gentil. Bon, c'est pas du tout ça même, hein, on peut le dire. Alors, où est-ce que je dois aller? J'imagine que c'est à la cave, car toutes les cochonnes se trouvent dans une cave. Ah bah, je suis dans une cave, donc je suis une cochonne. Bon bah, c'est pas ici. Ah, ça commence. Bon, sa père l'hippopète, sa mère l'hippopète. Est-ce que ça enregistre bien d'ailleurs? Parce que j'ai pas de petit indicateur. Oui, ça enregistre, c'est fabuleux. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, ça l'est moins. Alors, où est-ce que ça va être? Ici à l'étage, dans la pièce principale de cette fabuleuse et somptueuse demeure. Oui! Bonjour, général Arlos. Salutations. L'époque est au héros. Ça tombe bien, je suis un héros. Youhou! Présentez-vous au sergent Martelémon, donjon de la bravoure. Eh ben, j'y vais de ce pas, me présenter au sergent, qui se trouve, hop, visiblement, de l'autre côté. Il y en a des escaliers. Ils savent pas, les développeurs de Blizzard, que Foufflet, il est complètement perdu dans les bâtiments qui ont plusieurs étages, qui ont plusieurs entrées possibles. Où c'est que ça va être? On va tester ici. C'est pas là. Eh ben, on sort. C'est normal, parce que je crois que c'est dehors. Mais enfin! C'est pas possible. Bon, déjà, on va prendre son dada. Ça ira plus vite. Ah! Il était là, le coquin. Hop! Non, je veux pas de shopping, je veux faire des quêtes. Il faut tuer des rampants des cryptes. Oh, bah, ils sont juste là. Hello! Je viens tuer les rampants des cryptes. Alors, visiblement, j'ai déjà eu quelques retours sur le fait d'augmenter le rythme des vidéos. Accueilli plutôt positivement, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, je sais très bien que vous aurez moins de temps à regarder un épisode quand il y en a un qui sort toutes les semaines et quand il y en a un qui sort tous les deux jours. Mais là, je dois vraiment... Je vais pas y arriver. Hein. Ah ! Voilà. Là, je dois vraiment arriver au level max avant l'extension. Donc, j'ai pas le choix. Sauf faire un épisode par semaine, mais qui dure 4 heures. Et dans ce cas-là, bonjour le plot, j'en ai pour 3 jours. On va éviter. Oui, ça meurt vite, ces petits rampants, dis donc. Et je dois aussi choper du anti-venin. Ça se trouvera où, ça? Ça se trouvera ici. Ok, bon, pour l'instant, on va faire les rampants. Chaque chose en son temps. Ah bah, j'ai déjà soif, dis donc. Ça commence bien. Bon, on va déjà boire une gorgée. Et puis, on l'a mérité, puisqu'on est à la moitié. Ah, ma bouteille. Qui se casse la gueule. Cherry Coke toujours, mais ça c'est du Coca Zéro Cherry. Il n'y avait que ça dans le magasin. Ils ont remplacé les Cherry Coke du rayon par les Cherry Coke Zéro. Je suis moins fan, on a moins le côté sucré du soda. Ça me plaît beaucoup moins. Allez, ce sort n'est pas encore utilisable, mais je m'en fous parce que moi je suis Foufflet et que les sorts pas utilisables, je vous emmerde. Allez. Oh, Foufflet, il a dit un gros mot, dis donc. Doudou, dis donc. Ah bah dis donc, 5 sur 6. Et le dernier. Oh bah je sens bien que ça va être celui-là, le dernier. J'ai bien envie que ce soit toi. Bonjour, tu es le dernier de ma liste. Et tu vas mourir incessamment sous peu, c'est-à-dire là tout de suite. Voilà. Toi quand tu veux, t'es obéissant. On va se soigner quand même, hein, parce que bon. On prend cher, vite fait. Hein. Et la suite, l'antivenin. Ok, c'est là-bas. Allez, on va rendre la quête auprès du monsieur. D'ailleurs, j'ai repéré qu'il offrait des armes. Alors moi, j'ai eu une arme dans le donjon précédent. J'espère que je vais pouvoir la garder un petit peu quand même. J'aurais bien voulu avoir plutôt de l'armure. Allez. Une épée à deux mains. La vitesse est 360, donc ça, c'est bien. Oh putain, regardez la remiche de Terok. Je l'ai chopée à Oshidun. Elle est level... ah, c'était dans une quête, donc e-level 115. Il n'y a pas le level d'accès. 54 AJ, 33 endu. Je perds de l'endu, mais ça, je le gagnerai à nouveau sur l'armure.
Putain, et 634 en dégâts, quoi. C'est un truc de fou. C'est abusé. Et bon, on va l'utiliser tout de suite. Quand j'aurai trouvé où elle est. C'est ça? Ouais. Voilà. Ensuite, cracheur des flammes, ça on attendra. Anti-venin d'aubépin. Allez, on va chercher l'anti-venin d'aubépin. Ça doit être dans le bateau. Vu comment c'est éclairé, vu comment est affiché le pointeur, j'imagine que c'est à l'intérieur du bateau. Oups! Bonjour! Visiblement, je dérange. Je ne fais que passer. Je viens chercher du anti-venin. Culte des damnés. Bah écoute, hein, damné toi-même. Hein. Oh, et en plus, ça loote rien, ces petites merdes. Waouh! Ah! Qui m'attaque d'en haut, là? J'ai pas remarqué. Ça sort d'où? J'ai pas rêvé, j'ai bien vu une flèche arriver du plafond. Allez, t'es mort, toi. Voilà. Un pantalon bordé de fourrure. Parfaite pour aller avec ma culotte de Yeti. Ah. Si, je suis à portée, regarde. Hop. Oh. Ouh, ça fait plein de coups critiques. Évidemment, quand je le dis, j'en fais pas. Allez, l'antivenin est ici. Nickel. Et puis là, il y a une quête à prendre. Parler au capitaine Lourgre, le gaucher, sur le brise-tempête au donjon de la bravoure. Pas de petite mission. On prend tout, on fait tout, on est comme ça. Après tout, nous sommes un héros et les héros font toutes les missions qu'on leur confie. Il est où ce capitaine? Il est là-haut. Eh ben, on va monter là-haut. Ah, c'est un petit gnome trop fort. Allez, coucou. Oui. À la prochaine. Salut. Ça, c'est fait. On va aller voir. Hop. On va y aller en bateau. En bateau. En avion. Oh. En fly. En avion. Oui, oui. Foufflet, pilote d'avion. Et là, c'est à la cave cette fois. Sûr. Ah, mais pourquoi je veux aller à la cave à chaque fois, moi? Ridicule. Alors qu'en fait, ça va être à l'étage. J'en suis sûr, maintenant. Oui. Voilà, c'est là. Ben oui. Ah là là. 16h20. J'ai pas regardé à partir de quand j'ai commencé à tourner. On va dire que j'ai tourné à 15. Parler à Karuk. Ouh. Les Naru ne nous ont pas oubliés. Bah, depuis l'Outre-Terre, ils vous ont un petit peu oublié. Hein. Allez, retournez voir le docteur. Va voir le docteur, non, n'aie pas peur. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Fais-moi mal. Allez, fais-moi mal. Ah oui, fais-moi mal. Avec les pieds. Allez, c'est ici. Ah bah, c'est bien plus calme tout d'un coup. Hein. Voilà ton antivenin. Putain, 16 000 XP pour ça? Eh ben. Là, je dois parler à Karuk. Et ici, j'ai un communiqué des sectateurs. Ah, mais je dois tuer des crash-flammes. Des crash-flammes. C'est quoi, des crash-flammes? C'est ça, là? Ah, c'est ça. Yeah! Regardez comment ça tombe au sol. Fabuleux. Pas très ragoûtant comme bestiole, hein. En tout cas, c'est pas très résistant non plus. Il y en a la blinde. Allez. Ah, c'est pas encore rechargé. Il y a un temps de recharge de filet. Quoi, il s'imaginait pas que Fouvet allait lancer le filet aussi rapidement et tuer le monstre aussi vite. Du coup, ils ont mis un temps de recharge un petit peu longuet. Bah, c'est pas grave. Tiens, je me rappelle même pas le nom de la zone dans laquelle je suis. Je vais regarder ça. On est dans la toundra boréenne. Ok. Dans 2 minutes, je m'en rappelle plus. Mais je vais essayer. Allez, descends. Voilà. Un exorcisme. Même pas qui critique. Une frappe qui... non. Non. Ça critique plus, hein. Toi, là. Ouh, toi, je sens que t'as envie de te prendre un critique. Toi, je te sens bien te prendre un critique. Allez, descends au sol. J'ai dit que je te sentais faire un critique. Ah oui, j'ai fait un critique à 185. Pas mal, hein. Ouh, ça gratte sous les bras, dis donc. Information capitale, information importante. Allez.
Ah, mais nom de Dieu, ça craque! Jugement? Bah oui. Allez! Oh non, Didjou! 5 sur 6, plus qu'un, et on a fini avec les filets. Tiens, toi là. Allez. Voilà. Est-ce que tu vas me tomber sur la tête? Tiens, ce serait marrant que tu me tombes dessus. Ah, j'y étais presque! Ah, j'aurais dû m'amuser à faire ce défi avant. Tant pis, c'est pas grave. Ça aurait fait un petit défi ridicule. Ça aurait été sympa. Ah, 4149. On termine bien la série de 6. Ça, c'est cool. Bon, je prends le dada pour faire 20 mètres. Hein. On est feignasse ou on ne l'est pas. Eh ben, moi, je le suis. Allez. Tu es normalement toujours ici si t'as pas bougé de place. Nickel. Sur ton petit book. 4 PO 70. Oh, on a bientôt pris un level. Adieu, alors. Allez, on doit aller où? Explosif installé. Oh, bon, on va faire ça. Moi, ça me plaît bien, ça. Ouh! Allons installer des explosifs. On va tout faire péter. On a peur de rien. Et si possible, on évite de se faire exploser avec à l'intérieur. Hop. Allez. Coucou. Oh, tu as rompu le cercle. Putain, ça meurt vite. La vache, 7563. C'est abusé. Abusé total. Ya monsieur. Ya menhir. Allez. Allez. Ah bah ça y est. Et là on a le petit dernier qui s'est dit je vais continuer à faire ma petite incantation rose fluo tatapouette. Et il va remarquer que du feu. Ah bah j'ai chopé le communiqué. Donc ça c'est cool. Et c'est où que je dois faire la bombe? Alors, ok. Placer ces explosifs à l'entrée des puisards. Ben, c'est pas ça un puisard? Je suis dedans là. Ben si, ça doit être ça normalement. Bah. Ah, mais c'est où? À l'entrée des puisards. Ou alors c'est ça là? Ah bah c'était ça. Ok, j'étais persuadé que c'était des cercles lumineux moi. Bon bah un puisard de fait. Oula. Ah bah ça va, c'est mort. Je me suis dit, un sacré monstre à attaquer. Et j'imagine que... Ça aussi on peut... C'en est un aussi ça? Oh, c'était facile! Ah, ça compte pas comme le puisard sud, ça. Normal, c'est pas du tout au bon endroit. Bien joué, Foufflet, comme d'habitude. Djarkos vient de se connecter. Information très importante et capitale. Sans ça, vous n'auriez pas bien dormi cette nuit. Allez, le puisard doit être par ici. Salut les mammouths! Bon, je sais, c'est pas des mammouths ou une petite plante. Bon, on va tuer ce rhinocéros qui me piétine ma petite fleur. Il y a pas d'allusion sexuelle dans cette phrase. Non, 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 non. Ouh, de la viande glacée. Ah, il est mort de c'est. Ouh. Précision ultime, hein, au millimètre près. Ah oui, du coup, j'ai un debuff parce que j'ai tué un vilain petit animal. Allez, cherchons l'entrée. Ici. Ah! Ah là! Et ça, c'est quoi ça? Oh, il y a du minerai! On peut pas laisser passer ça! En plus, un riche gisement. Juste ici, on va y aller. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On descend du dada. Et on récolte! Avec ses petits bras tout musclés. Voilà. Ça, c'est fait. On s'envole. Et là, il a parlé à Karuk. Mais là, je peux déjà rendre mes quêtes. On va déjà rendre les quêtes. Ça nous fera prendre un level. Je suis sûr qu'on va prendre un level, là. Obligé. Obrigado. Je sais pas si ça veut dire obligé, ça, en portugais. Allez. On y est presque. Il y a l'autre sur son bouc. Voilà, qui a pas bougé, comme d'hab. Hein. Alors, du tissu, du cuir, de la plaque et de la maille. Ok. Des épaules. Plus d'armure. Moins de force. Mais plus d'endu et du score de critique.
Oh, allez, on va le prendre. On sera looké. Ah, elles sont quand même plus jolies. Hein. Non, parce que là, moi, celles que j'ai actuellement, c'est juste pas possible le look qu'elles ont. Donc, on va les équiper. Voilà. Tout se déroule pour le mieux. Oui, jusqu'à ce que tu me parles. Ah oui, il y a une quête à prendre ici. Voilà. Oh, cruel dilemme, il faut aller de tous les côtés. Allez, on va commencer par ici. Ah ! Je suis sûr que c'est à la cave cette fois. Putain, mais pourquoi ? Mais j'ai un souvenir qu'il se passe quelque chose dans cette cave. Visiblement, je sais pas d'où j'ai eu ce souvenir, mais on m'a donné un faux souvenir dans ma tête, là. C'est pas possible. Bon, bah on retourne voir le Draenei. Coucou, communiquer des sectateurs. Ah. De la plaque, force endue critique. Allez-vous. Yeah, level 69. Yeah, je suis content là. Allez, on va l'équiper notre nouvelle armure. Bon, je suis un petit peu tout rouge, donc ça c'est pas cool. Mais normalement, j'ai un skin qui devrait être plus joli. Bah, j'en suis au début, hein. Vu que je viens d'arriver. Level 69. 69 années érotiques. Ah, ça y est, on va pouvoir se regarder. Pas mal. Il y a juste le pantalon qui, du coup, en bleu, comme ça, n'est pas top. Du coup, là, ça serait bien d'avoir l'option, comme dans Star Wars The Old Republic, unifier les couleurs, qui est gratuit, qui coûte rien, qui est une option toute con, sur la feuille de personnage, et ça permet de unifier les couleurs de toute l'armure. Ce qui fait qu'on évite d'avoir des trucs très clownesques, avec des couleurs qui n'ont rien à voir ensemble. Allez-vous. Tiens, tu me donnes une quête, petit gnome que tu es. Eh ben, je l'accepte. Eh ben, dis donc, il y a du monde qui veut me parler dans l'auberge, là, tout d'un coup. Quand j'y étais, il n'y avait personne qui voulait me parler. Oh, t'es mignonne, toi. Moucheronne, carrément. J'adore. Moi, j'aime les gnomettes. Alors, si en plus, elles ont des petits pseudos tout mignons, c'est encore mieux. Ah, personne. Bah, c'est dégueulasse, hein. Niveau hygiène, dans les cuisines, c'est pas trop ça, hein. Ah, bonjour, toi. Tu veux faire l'amour sur cette terrasse? Oh oui, je veux, parce que tu es foufflet. J'aime faire l'amour avec les foufflets. Les foufflets, c'est les meilleurs. Bien dit, ma petite dame. Et toi aussi, tu veux? Oh oui, moi aussi. En plus, une Draenei, c'est sexy. Voilà. On accepte. Je me souviens des enseignements du passé. Ah, sortons de cette cuisine, au secours! Oh, tiens, on va en profiter pour vendre nos petites merdouillettes. Une fourrure en mêlée, ça ressemble très très beaucoup à une queue touffue. Ouais, ça aussi. On va dire que c'est bon. Mon arme d'ast aussi. Ah ouais, non, j'ai encore ça. Et ça, on va le placer là. Voilà. Ça me semble bien. Me semble, hein. Me semble-t-il que ça me semble bien. Oula, quelle grosse armure, quelle grosse monture. Ok. Ici. Partez pour Comté Lointaine dans la toundra. Eh ben écoute. En plus. Ah. C'est le petit village que je trouvais mignon dans la vidéo précédente. Le petit bourg comme ça qui est un peu sur le côté. Je trouve ça plutôt chouette. Ça me plaît bien. Putain, je me suis fait bouffer par les moustiques, mais c'est un truc de fou. Et par contre, je dois faire quoi ici? Ah bah, c'est là. Qu'est-ce que tu fais avec ton balai, toi? À balayer les champs. Voilà. Des sectateurs du quai, de la prison, ça c'est dans le donjon. Aller dans la mine, découvrir ce qui s'est passé. Ok, eh ben on va faire ça, on va aller dans la mine. Ça me semble bien, ça, dans la mine. Je pense qu'on peut passer sans problème. Ouais. Allez, on va tuer le charognard ici. Petit paysan, t'as vu, je t'ai sauvé la vie. Et ça, c'est bien. Une bonne action de foufflet. Eh ben, il y en a du mort-vivant là-dedans. 4070, c'est pas trop mal. Allez.
J'ai envie de faire un donjon. Ouh, yeah. 1906. Pas mal, pas mal. Waouh. 15 argent, c'est pas mal. Ah, mais il y aura du minerai en plus ici. C'est cool, ça. Comment vous servez à rien? Mais je vous nique en 2 secondes. Ça, c'est fait. Allez, viens, ma poupiette. Viens là, que je te fasse ta fête. Et puis toi aussi, tu crois que je t'avais pas vu? C'est pas parce que tu tournes le dos que tu me regardes pas que je te vois pas, moi. Attention, j'ai des yeux. Je vois tout, je sais tout, je sens tout. Ah, du tissu. Terminer la quête. Accepter la quête. Et puis on va aller faire un petit détour. Parce qu'il y a du gisement. Et que moi, le gisement, ça me fait envie d'aller le récolter. Si cette petite chose veut bien se donner la peine de mourir, voilà, parfait. Ouh, du lichen épicé au miel. Ça doit pas être mauvais, ça. Le gisement, il est juste là. Il est sous mes yeux. Alors là, s'il y a un joueur qui arrive, qui se pointe et qui va le récolter, je jure. Et c'est là qu'il y a Diarkos qui se pointe, l'air de rien. Et hop, je vais récolter. Merci. On a tout fait dans la caverne. Retourner à compter bidule truc. Ok, bah on va ressortir. Est-ce que je suis bien dans le bon sens? Ça y est, je suis déjà perdu, moi. Ouais, c'est par là. Oui, je vois le jour, c'est par là-bas. Mais on va allumer une cigarette avant. Non, ça, c'est pas des cigarettes. On va allumer une cigarette. Si je prends des allumettes et que j'allume une allumette, ça va pas faire grand-chose à part une jolie petite flamme. Et vous allez vous foutre de moi. Voilà. Allez, on peut déjà prendre la monture, donc on va pas se gêner. Wouh, je m'envole. Le petit camp, ah, il est là. Eh, hey, je vous laisse 2 secondes et vous vous faites attaquer? Bon, je vais vous aider. Vraiment parce que c'est moi. Regardez, je suis trop gentil. Terminer la quête. Oula. Ou tout d'un coup, ils ont tous envie que je les aide, là. Ils se sont dit, oulala, Fouflet a réussi la première mission. On a tous des trucs à lui demander. Va me chercher un mouchoir, va me chercher mes pilules parce que j'ai mes règles. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 2, 3 et 4. Allez, c'est plein de trucs à tuer, c'est cool. Sauf que, évidemment, je les trouve plus. Ah, voilà, ici. Des charognards pestiférés. Eh ben, écoute, moi, les charognards pestiférés, j'en fais mon... Waouh! J'en fais mon affaire. Pas mal, le coup critique, là. Pas mal du tout. Ah, je suppose que je dois aussi récolter les petits sacs. Parce qu'ils doivent avoir faim, ces petits gens. Hein. Ben, ça brille. Et quoi, je peux rien en faire? Bon. Bah, c'est pas grave. Mais vu comment ça brille, je devrais pouvoir en faire quelque chose. Tant pis, c'est pas grave, y a pas de souci. Waouh. À ce rythme-là, ils vont pas durer longtemps les monstres. Hein. Allez, viens là, toi. Yeah. Et puis parce qu'on est fou. Qu'on est fou 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 dans sa tête, on va en profiter pour s'inscrire dans un donjon aléatoire de... C'est dur à prononcer. Wrath of the Lich King. Voilà, on est inscrit en donjon. Je suis pas sûr que ça pop, hein, mais c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a que moi. Je pense que je vais aussi m'inscrire dans les donjons d'Outre-Terre. On augmentera nos chances. Donjon. On va quitter la file. Ah, ok, pas le choix, d'accord.
Sinon, c'est. Je pourrais choisir des donjons spécifiques, mais j'ai envie d'avoir mon argent et mon XP. Donc, on va attendre. Et puis, si ça pop pas, bah ça pop pas. Hein. C'est pas dramatique non plus. Y a pas mort d'homme. Hein. Si? Quoi? Vous me dites que si je ne fais pas un donjon, il y a un chaton qui va mourir quelque part dans le monde? Oh mon dieu, mais c'est atroce! Mais que fait la police? Ben, je ne sais pas ce qu'elle fait. Hop. D'ailleurs, on est combien dans la zone? Waouh! Ah! Ouais, pas mal. Petit bouquin. Nickel. Hello. Puis je vais aller faire un tour dans la maison, tiens. Tu sors d'où, toi, là? Je t'ai pas vu, moi. T'étais bien caché, dis donc, hein, ma louloute. T'as presque failli me faire peur. Voilà. Allez, y'a quoi là-dedans? Y'a pas de monstre? Ouh, un coffre en bois. Y'a quoi là-dedans? Fait chier que ça soit du tissu. Bon, c'est pas grave. Et à l'étage? La la la. Rien. Pas un coffre caché? Non. Tant pis. Au moins, on aura regardé. Allez. Bon, les paysans, là, y a rien à tuer? Ah, si, là. Elles sont là. Elles sont parquées comme des vaches. Les petites goules. Ouh. 264. Impressionnant d'efficacité. Ah! Donjon, ça veut pas. Hein. À mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui. Bon, puisque ça veut pas, de toute façon, on va tenter autre chose. On va quand même faire comme ça. Donjon de grade. Et puis, on va tenter aussi la terrasse des magistères. On va tenter tout ça. Voilà. Si avec ça... Ah, bah voilà, là, ça va aller plus vite. Il manque plus que le tank. C'est fabuleux, c'est nickel, chrome. Ouh. Il y a une petite fleur ici à cueillir. Eh, va pas sur ma fleur, toi. Viens là. Y a moyen d'aller cueillir sa fleur tranquille, là? Oh putain, je vais crever. Ouh. J'avais pas fait attention à ça. Trèfle doré. Ah bah c'est bon, on les a tous tués. Du coup, on s'envole, comme ça on passe pas dedans. Et le donjon, toujours en charge de tank. Bon, je peux déjà lui demander à lui de rendre la quête. Bonjour. Tite, n'avez jamais fini de demander des choses, vous, hein? Allez, je t'aide. Parce que je suis gentil. Voilà. Plaque. Rendu touché. Alors on va prendre ça. Je suis invisible aux yeux des vilains. Hop, allez. La suite. Ah bah c'est pas bien loin la suite.
brûler des céréales. C'est pour ça qu'ils brûlaient, qu'ils étaient visibles. Comment elle s'appelle cette quête? Ne prenons pas de risques. Elle est où? Ah bah elle est là. Bon, bah on va aller brûler des céréales. Bah, il y en a un juste ici. Ah. Voilà, ça c'est fait. On va rester ici. Il y a pas mal de trucs. Et en plus, il n'y a pas les monstres. Donc ça, c'est tout nickel chrome. Voilà. Donjon, ça veut pas, hein. 4 sur 8. Le nez qui gratte. 5 sur 8. 6. Me disait bien. Yeah. Je suis tout vert. Et pas ouvert. Voilà, et le dernier ici. Et il y a un donjon. On va se sortir de là. On va se mettre là. Allez, c'est parti pour le donjon, l'Arcatraz. On va dire bonjour. On va buffer. Et on est parti. Ah, merci pour la quête. Ah bah, ça n'attend pas. Hein. Ah. Voilà. Yeah. Tuons du vilain. Ouais, déchaînons-nous, déchaînons nos forces sur des vilains. Alors oui, c'est pas un donjon de Norfandre, mais c'est pas grave, parce que ça XP quand même. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Nez qui gratte, c'est chiant. Allez, à faire une petite AO bien méritée. Qui a pas fait grand-chose, je trouve. Tu vas mourir, toi. Voilà. Ah. Voilà. On va aller dans le tas. C'est très vilain, tous ces monstres. Il y en a partout. C'est bon. Tout ça pour deux crocs tranchants. Pay to lose. Ouh, dévoreur d'âme. Ça fait peur. Allez, une petite AOE, une plus grosse. Les guetteurs de mort, sympa le nom. Cadeau, tu parles. Ah ouais. Ah, j'ai du mal à viser, hein. C'est bon. Cadeau. Des crocs, super, des crocs. Ah, je suis tout petit.
Allez. Exorcisme. 4449, plutôt pas mal. Plutôt même très bien. Bah voilà, un boss. De la maille, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Et on a fait une quête. Terminé la quête. On reprend. Force réduite. Y a pas moyen de se faire des buffs ? Non, on s'en fout. Maintenant, les healers, ils débuffent plus. Hein. Rien à foutre. Tout petit. À une époque, on se faisait des buffs en donjon. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a plus aucune difficulté. C'est easy. Easy Stevens. Grey's Anatomy. Oula. Je suis à nouveau tout petit. Ah, ça fait peur, on dirait qu'on pourrait passer à travers. Ah là là, c'est chiant au cas qu'on voit rien des combats. On appuie et on voit que dalle. Waouh, ça j'ai vu. Je l'ai vu le coup à plus de 8000 là. Ah là, y a pas de souci. J'en suis bien rendu compte. Cadeau. Allez les loot. Des crocs. Putain, j'en loot des crocs. Ah ouais. Changement de cible. Ah, ça gratte. Allez. Pas de cadeau là? Non. Ils sont sympas les skins des monstres. Ils sont grands. Du coup c'est plus facile à viser pour moi. Bon bah déjà cet épisode là on aura pris un level, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on sera, à mon avis, quand on aura fini l'instance, on aura fait la moitié de ce level. À peu près. Donc c'est plutôt cool. On est 69. Ah bah là, quand c'est désarmé, je peux pas faire grand chose du coup. Je me retrouve un petit peu comme un couillon. Allez, le dévasteur il va pas faire long feu à mon avis. Hein. Et puis la petite cochonne non plus je pense. Voilà la cochonne. Ah encore une. Diarco ça ne veut rien dire, je culotte. C'est chuchote et culotte en même temps peut-être. T'inquiète, j'ai compris ce que tu voulais dire. Allez, Dahlia l'hospice. Eh ben, je vais t'hospicer, moi. Exorcisme. De toute façon, elle est mourue, là. C'est bon. Alors, ça, c'est une baguette. Donc, ce n'est pas pour moi. Et de la maille. On va se soigner, puisque le soigneur, il en a un petit peu rien à foutre. Enfin. Allez. Yeah. Arcatraz. Ça va vite, hein. Et voilà. Il est mort aussi. Ça, on s'en fout, Cupi. Et Cupi. Putain, ça rapporte pas mal d'XP, hein.
Bon bah vu qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie, logiquement on repasse. Ah non, il y en a une deuxième. Petit cochonou, bah, je l'avais pas vu celle-là. Vitesse de déplacement augmentée 30%, ça c'est cool. Bien pratique ce petit bœuf de chasseur. J'aime bien le fait que ce soit transparent en dessous. T'as vraiment l'impression que tu vas pouvoir te casser la gueule. Yeah. La classe. C'est sympa le sol. Petit monstre. Qui va être normalement mouru. Incessamment sous peu. Tissu. Je me rappelle plus du tout du boss de fin. Je sais que j'ai déjà fait cette instance là à l'époque de Burning Crusade, parce que j'ai joué à Burning Crusade. Je jouais heal, donc je healais dans ces instances là. C'est vieux, donc je m'en rappelle plus trop et j'ai aucun souvenir du boss de fin. Oula. Ah ouais. Eh ben, ça se passait pas aussi rapidement avant. De l'argent. C'est le boss de fin, ça? Non. Ah, ça me dit quelque chose vaguement. J'ai un vague souvenir de cette pièce. Mais sans plus. Tu parles, je suis immobilisé, je m'en fous. Je suis au cac et il m'immobilise au cac. Tu parles, pas très malin. Ah bah quand même. Hop, cadeau. Augmente, non, réduit les résistances, augmente 25% des dégâts de feu et de givre subis. Hop. Meurs, vil démon. Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas ta place en ce monde. De la plaque, force enduit, esquive. Je gagne de l'armure, de la force, de l'enduit et de l'esquive. Ouais, allez, c'est pas grave. Si je l'ai, bah je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Ah oui, non, il me semble qu'il va y avoir une espèce de pieuvre géante et qui va se dédoubler, il me semble. Hein. C'est le souvenir que j'en ai encore. Enfin, c'est le seul souvenir que j'en ai en fait. Je sais, jouer et fumer, c'est pas bien. C'est pour ça que je joue au clavier, à la souris. Blablabla, 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 boobies, boobies. Toi aussi, tu veux voir le cul de l'ours? Oh. Mmh. Oh. Oh, oui. Oh. Ah. Level 72, le petit cochon, hein. Tout de même. De toute façon, il est mouru. On n'a fait qu'une bouchée. Oui, bah invoque-la ta créature. Ah, c'est Milouze. Ah, mon petit Milouze. C'est sympa qu'il invoque un gnome. Je
Je me rappelais plus du gnome. Oui, du jambon. Je suis pas venu pour rien. Alors, ça va être quoi cette fois-ci? Je peux le stun? Non. En tout cas, c'est pas passé. Voilà, là, ça meurt vite. Oh, Milouz, il est là. Il y a combien de points de vie, Milouz? 17 000? Allez, allez. Putain, son épée, elle est grande. Hein. Oh, Milouz, je t'aime. Oh, tu es si beau. Oh là là. Oh, Milouz. Oui, 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 oui. On admire notre future perte. Allez. Ah, je suis charmé et j'attaque les autres. Trop cool. Tu parles, je lui ai à peine fait de dégâts. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas cramé mes cooldowns. Le feu. Allumez le feu. Et ben voilà. Les cadeaux. Du tissu, crotte et de la plaque. 23 force, 21 agi. Non, elle est moins bien. Et le skin? Ouais, c'est très outre-terre. Allez, Andu, Intel. On va prendre celle-là. Hop. Merci pour le donjon. Voilà. On a tout fait, hein? Bah oui, on a tout fait. Bah, c'était cool. Allez. On se téléporte hors du donjon. On va s'envoler. Hello Zairon. Et on va rendre la quête. Parce qu'on a brûlé du... On a brûlé les céréales. Oui. Du cuir, de la plaque. Je gagne de la force. Non, ah non, c'est de l'enduit et de l'intel. On va prendre ça. Merci Zairon. Et on va équiper tout de suite notre petite bagounette qui est ici. Alors, elle est de niveau 138. Moi j'en ai... Ah ouais, niveau d'objet 70. Eh ben on va en remplacer la bleue. Non. La bleue, elle est là. Allez. Voilà, que c'est bien comme ça. Ah, pourquoi je suis descendu ma monture? Et on va aller valider. On a une quête à valider ici. Youhou! On va juste faire attention parce que le donjon se fait attaquer. Donjon de la bravoure. Il doit y avoir un petit hors deux quelque part là, bien tapis. Ça va être l'autre sur son balcon. Non. Le balcon, il est pas de ce côté. Ça va être ici. Ah, elle est là. Coucou. Alors, de la plaque. Talisman. On va prendre ça, hein. Et on va équiper son talisman. Elle l'a mis où? Où c'est que tu l'as mis, madame? Il est là. On va le mettre à la place de celui-là. Non, à la place de celui-là.
Yeah. Hop. C'est nickel. Et ben voilà un petit épisode de fait. Ah, il y a encore une quête à rendre ici. Et ben le résultat de cet épisode, c'est qu'on a pris un level, donc on est level 69, et on est déjà à la moitié de la barre du level 69. Donc si je fais quelques petites récoltes entre deux épisodes, histoire de prendre quelques bubules, on sera très très rapidement level 70. Bah c'est cool, ça s'est plutôt bien passé, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi j'étais content de ma petite session de jeu, c'était plutôt cool, c'était sympa. Le petit donjon, très rapide, mais plutôt agréable. La zone de Norfandre, rien à redire, j'aime beaucoup cette zone. Bah écoutez, moi je vous fais un petit kissou, un petit bisou, puis je vous dis à très bientôt. Alors salut tout le monde! Mouah, 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 mouah. Ouh!